Je suis Croulout, ici Lupina pour l'épisode numéro 10 de Déco Duo que je fais avec Miss and You. Et ça a l'air d'avoir changé à l'extérieur, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps en vrai. Mais si, si, il y a des fleurs en plus là. Ça là, ça y était pas. La meuf qui s'excite sur des fleurs. Ça aussi, ça aussi. Mais ça avance de ouf, hein. Je crois qu'on a bientôt fini. Ah. Et ça non plus, ça y était pas. Mais c'est fait chier la Missa là. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des rouleaux de sopalin et des étagères. Ah oui, donc tu t'es vraiment fait chier, Missa, hein. Oh putain, la vache. Alors, du coup, on va regarder l'intérieur. Voyons voir. Donc, l'appart, il a l'air fini. On dirait. Mais il y a encore plus la porte. Mais la porte, elle s'en va ou ça se passe comment, là? Mais mettez une porte! Ah! Bah c'est un peu enquiquinant tout de même. C'est même beaucoup enquiquinant. D'ailleurs, j'ai encore oublié de mettre le code, hein, lol. Mais non, mais attendez. Mais si, c'est bien. C'est bien cet épisode-là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a bien les modifs que j'avais faites. Il y a le rideau qui tombe dans le vide. Là, ça ressemble à rien, je vous avouerai. La porte bug, on me dit dans l'oreillette. Bah écoutez, je vais la remettre. Hein. Oui, en fait, tant que j'ai pas fait mon épisode, je regarde pas celui de Missa. Donc vous excitez pas si jamais c'est pas très compréhensible. En fait, ces rideaux, ils ressemblent à rien. Voilà, je sais pas pourquoi je les ai mis, c'était débile. Non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Voilà, il faudra en mettre des petits à la limite. Mais là, ça tombe dans le vide. J'ai Cécilia, une de mes abonnées, qui me fait ça tombe dans le vide, ça ressemble à rien. Je suis d'accord, je suis d'accord. De toute façon, hein, c'est après coup qu'on voit la merde qu'on a fait. Voilà, on va plutôt mettre ça. Alors du coup, comme je suis une thug, on va mettre du bleu pour les meufs et du rose pour les filles. Pour les mecs, pardon. Il n'y a même pas de rose, super. Bon, et ben, on va mettre du rouge, hein. Voilà. Voilà, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et c'est vide en haut. C'est très vide. Comment se fait-ce? C'est pas bien. C'est nul. Un grand tableau. En plus, il y en a plein, des grands tableaux. Il suffit juste de le trouver. Oh, j'ai même pas regardé. Mais je suis trop stupide, moi. J'ai même pas regardé le compteur. Je suis partie comme ça, en mode walouf, là. Walouf, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais... C'est pas grave. Mais si, il y a un gros truc là. Il est où le gros truc? Le panneau. Non, le tableau, pardon. Le grand tableau est demandé à l'accueil. Ah, le voilà, le coquin. Non, mais du coup, avec les machins dégueux là, ça fait trop. En fait, j'arrête pas de changer d'avis. Je sens que je vais encore mettre un objet. Dans cette. Oh là là, j'arrive même plus à parler. C'est honteux. Bon, alors attends. Il y a du rouge et du jaune là, donc est-ce qu'on peut avoir un tableau rouge et jaune ou est-ce qu'on peut aller se faire... Bah on va laisser celui-ci en fait, voilà, c'est très bien, c'est parfait, ou pas, bon, c'est pas grave. Alors, les toilettes, c'est bon. Ah, j'aime bien ça. Eh mais Missa, c'est la reine des détails, hein. Moi, en fait j'ai un peu l'impression que c'est elle qui a tout fait. Je veux dire, ce truc qui est beau, c'est grâce à elle, parce que moi, j'ai juste foutu des nains de jardin, quoi. C'est honteux. D'ailleurs, dans la boutique de lingerie, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas de déco. Oh là 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 là. Allez, on va mettre une jolie petite pin-up. Parce que c'est beau, les pin-up, putain. Cette affiche-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des papillons, non, c'est nul. Ce tableau, je le kiffe aussi. Voyons voir. Je trouve en fait que les autres, ils sont pas ouf. À part celui-là peut-être, mais celui-là, il est trop beau. Bref. J'espère que les Sims pourront rentrer, que ce sera fonctionnel. Je vais enlever un peu la grille pour que vous voyez, parce que je sais que certains, la grille, ça les rend ouf. Ils sont là, mais la grille, putain! Donc calmez-vous, ça va bien se passer. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez.
Ce programme détente vous est offert par Lupina. Ça fera 150 euros. Hein? La meuf rigole à ses blagues alors que les blagues ne sont pas drôles. C'est quand même un peu triste. Alors non, mais je voulais décorer un peu la cabine, mais... Ah, je viens de cracher sur mon micro. C'est génial, on adore. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans la cabine? Je sais pas, je ne sais pas du tout. On va pas mettre des nuages, c'est le truc que tue l'amour, quoi. Ah, regarde, il y a des nuages. Non, bah... J'ai pas d'idée. Je n'ai absolument pas d'idée. De toute façon, en ce moment, la constru... Comment vous dire? Non. Ça va pas du tout, quoi. À chaque fois, je m'arrange pour prendre des trucs dans la galerie Vitef ou autre. C'est vraiment pas mon moi... Mon moi construit. Mes moi construits, plutôt. Ça fait plusieurs mois que je fous rien. Mais c'est vide, hein. Franchement. C'est vide. On est d'accord. On va mettre un tapis. La tapis... La tapis. Le tapis, ça habille la pièce. Oui. Encore faut-il trouver un beau tapis. Ouais, bof. Bof. Non, je suis pas satisfaite. Mais non, mais c'est moche, attends, t'as les rideaux et un mur vachement rouge vif et un tapis qui est passé au lavage là. Ça va pas du tout. Y a pas un truc rouge là-dedans? Oh, je vais pas trouver. Ou alors faut que je fasse une... Non, ça va pas. Ça, c'est ce qu'il y a en haut. Et là? Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non. Et lui? Mais lui, il aurait été bien, là, la moumoute en rouge, mais il n'y a pas de rouge. Remboursé! C'est honteux. C'est honteux! Faut que j'arrête de dire ça tout le temps. On dirait un petit vieux, tu sais, qui gaguette, là. Au moins de mon temps, c'était pas comme ça. Lui, il est trop rouge, tu vois. Le truc relou. Je suis une éternelle insatisfaite. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ah! Ah oui, peut-être lui. Mais clique, Boudiou. En grand. Oui, je veux un grand tapis. Attends, on va voir ce que ça donne de haut. Alors attendez, parce que là, il sort dans l'eau. Ça va pas trop le faire. Moi. Bah au moins ça habille, hein. Mais après, est-ce que c'est beau? C'est une autre question, je m'en remets à vous. En fait, ce serait cool qu'on finisse je vais y arriver, cette construction en live comme on avait fait pour la dernière. Mais alors, si c'est autant la galère pour qu'on arrive à se synchro avec Missa que le premier live, ça va être sympa. Je vais lui en parler de toute façon. Donc peut-être que le dernier épisode sera en live. Donc soit sur la chaîne de Missa, soit sur la mienne, peut-être plus sur la sienne parce qu'elle a une meilleure co que moi. Je sais pas, on verra. Je ne sais point. Oui. Bon bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Voilà, alors là comme ça, la meuf, elle peut pas passer. Les bonnes idées nulles de Lupina. Bon, on va laisser ça comme ça. Ouais, alors maintenant du coup ça veut dire ça veut dire qu'il faut qu'on meuble ici. Et je voulais laisser Missa le faire. Et bah je l'ai dans le baba. Déjà, on va retirer ce petit mur, comme ça on pourra faire des chiottes ou je ne sais quoi. Je sais vraiment pas comment faire, les gars. Je suis perdu. Bon bah on va faire des cabinets, hein. Et ici un petit coin douche. Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Après, c'est le mec qui est tout seul dans son appart. Enfin, est-ce que c'est un appart ou un étage? Je sais pas. Je sais pas, je suis perdue. Aidez-moi. C'est trop grand là. Mais la fenêtre, elle fait chier. La fenêtre, tu fais chier. J'ai pas d'idée. Ah, si on la met là. Voilà, c'est mieux. Et du coup, bah. Ouais, non, on va pas mettre les toilettes ici. On va essayer de dégager de la place pour, je sais pas, la cuisine ou. Ou ce genre de conneries. Ou alors, ouais, je sais pas. En fait, j'avais envie de faire un appart là. Bon, bah, je vais essayer. Au pire, je mets deux chiottes. Et pièce des merdes. Ah non, ça va pas le faire. Bon. Attendez. Je réfléchis. Le cerveau de Lupina est actuellement débordé. Il n'a pas trop l'habitude de réfléchir. Alors, ouais, c'est mieux là.
Et du coup, on mettrait le lit comme ça, une petite cuisine ou la cuisine là et un petit lit. Enfin, ouais, il y a moyen de faire un truc, je pense. Il y a moyen de faire un bon truc. Bon, déjà des chiottes, hein, parce que c'est important. C'est la priorité. Priorité au WC. Et alors, la question, est-ce que le propriétaire aura d'aussi mauvais goût que qu'est son magasin? C'était pas très français. Mais j'espère que vous avez compris. Ok, je cherche les chiottes dans la cuisine, moi, tout va bien. Le chiotte! Viens là. Voilà, un beau trône comme ça. Oh non, on va mettre celui-là! Il est trop moche, ces chiottes-là. D'ailleurs, faut quoi pour le débloquer? Niveau 10 de la carrière critique d'art. Oh! Oh mon dieu. Mais il est horrible, ce toilette, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, je vais dans des WC comme ça, je ressors sans avoir posé ma crotte. Hein. L'angoisse du truc. C'est horrible. It's horrible. Alors, une douche, ça peut être pratique. Oui, c'est bien. Le lavabo. J'essaye de faire un truc un peu. Genre, le mec, il est complètement décalé dans sa tête. En même temps, vous voyez sa boutique, hein. Il peut pas être sain d'esprit, ce garçon. Oh oui. Oh, ça, c'est bien. Un miroir étoile de star. Bonsoir, je chante dans ma douche. Toute la pluie tombe sur moi. Ah bah non, c'est de l'eau. C'est de l'eau de douche. Mais du coup, l'eau de douche, est-ce que c'est pas un peu comme une pluie au final? Vous avez 2 heures, hein, pour débattre. Le débat de merde. Les débats de merde vous sont présentés par Loupina. C'est quoi ça? Ah oh ouais, on met le parquet vieux là. Genre, je suis riche, j'ai un parquet de vieux. Parquet de Versailles. Qui s'appelle comment d'ailleurs? Sol en parquet élégant. Oh bah excusez-nous, hein, Votre Altesse. Et du coup, il faut un truc bien chelou dans la salle de bain. Oh, je sais, je vais mettre ça. Non, attends, parce que c'est pas très noir, ça. Moi, je veux du noir, voilà. Mais pourquoi ça fait des carrés verts? C'est moche! Bon, vas-y. Tu m'as énervé, on va changer de carreau. Voilà, ça t'apprendra! Bah oui, mais tu mets des trucs moches aussi. Oui. Ah, celui-là. Ah, oh, mais c'est pas beau. Quelle idée de con. Non, ça va pas du tout. Je vais essayer un autre truc. Alors, contrôle F pour faire les demi-dalles, hein, les enfants. Je ne vous le répéterai jamais assez. C'est très moche. Oh non, ça donne un style psychédélique. Ok. Je pense que vous êtes nombreux à me dire, mais t'as fait de la merde, Lupina. Mais pourquoi t'as fait ça? Et sachez que oui, totalement, j'assume. Bon. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça, tiens. Oh non, c'est pas beau. C'est pas beau. Je ne veux pas. Oh En fait, j'ai pas du tout envie d'être sérieuse. C'est bientôt la fin de la saison 4 pour moi et 2 pour Missa. Du coup, j'ai vraiment envie de faire n'importe quoi. On peut pas toujours faire un truc beau, enfin, je veux dire, enfin, beau. Après, c'est relatif. Enfin, tout le monde a ses goûts, quoi. Ça se trouve, le mec qui vit là-dedans, ou la meuf, mais pour moi, c'est plus un mec, je sais pas pourquoi. Ben, il aime ça, vous voyez. Il aime ça. Ouais. Il aime sa merde, hein? Bon, il en faut pour tous les goûts à la fin. Vous avez le droit d'avoir des goûts chelous aussi. Et on peut pas toujours être comme dans les catalogues. Je sais pas si vous entendez la musique, mais les gars, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre pour mes oreilles. Ça va très bien avec le thème, en fait, vu que je dis de la merde et il y a un gars qui fait. Oui, j'écoute de la musique assez particulière. Non, ça va pas. Non, 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 mais c'est moche. Je suis pas d'accord. Bon, on va changer de frigo. Non? Mais non, mais c'est nul. Non. Bon, bah, une gazinière. La gazinière. Bonsoir. Bonsoir, je suis la gazinière. Vous m'avez demandé, bah, je suis là. Merde, c'est laquelle que j'ai prise? Ah, c'est celle-là. Je suis. Mais bon, ça arrive, hein. Oui, mais Loupina, ta cuisine, elle est trop petite. Et ouais, c'est juste pour vous faire rager, hein? Hein?
Bande de rageux! Rageux! Non, en vrai, ça va pas trop la position ici. J'adore vous faire rager quand même. C'est trop drôle. La première édition, vous m'avez fait tout un foin pour cette cuisine là. Mais c'est trop petit, là là là. Mais je m'en fous moi, tant que ça marche. Mais non, ça va pas, enfin. Bon, tu m'emmerdes la cuisine, hein? Sache-le. Ouais, si, à la limite. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a une cuisine, hein, parce que j'avoue que même pour moi là, c'est petit. Ouais. Attendez, on va plutôt foutre le frigo là. Bon, c'est un peu dommage parce que ça cache une fenêtre, mais bon. C'est comme ça, et puis c'est tout. Après, de toute façon, Missa pourra bouger, hein. Je vais lui dire, si tu veux bouger, bah tu pourras. Ah, ça va pas. Il est trop petit cet appart en vrai. Il est beaucoup trop petit. C'est infernal de trouver une disposition pour ce truc. En plus, je voulais mettre un arbre à chat et tout. Bah que dalle, hein. Je vais pouvoir aller me faire voir. Oh! Et combien sur mon chrono là? Ça va. Oh, c'est bientôt fini. Alors, si je fais ça, je vais mettre un petit canapé. Le petit canapé qui fait plaisir. Ouais, je reste dans les tons rouges en fait, comme sa boutique absolument dégueulasse là. Moing. Voilà, une téloche. Combien il vaut le terrain d'ailleurs? Oh, il est cher. Alors, oui, c'est ça que je voulais mettre. Je voulais mettre des traits. Je sais pas trop si ça va servir à quelque chose. Mais ça me fait plaisir. Alors, maîtriser plus facilement, on s'en fout, on veut du convivial, de l'accueillant. Et puis, un dernier truc. Ma cuisine du chef pour le café. Ça a l'air d'un café ou un resto? C'est plus un café. Bon, bah, c'est pas grave. Ah non, on va mettre aura romantique. Comme ça, les Sims, ils vont venir pécho dans le truc de lingerie, là. Voilà, c'est très bien. Voilà, il y a sa télé. Mais là, du coup, c'est vachement vide. Attendez. J'essaye, hein, de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'essaye des trucs parce que c'est compliqué d'aménager cet espace là. Quelle idée de con, moi je vous le dis. En fait, il aurait fallu faire l'inverse, genre foutre la cuisine là-bas. La cuisine, elle aura voyagé, elle aura vu du pays cette cuisine, hein, parce que. Elle arrête pas de faire des allers-retours. Oh, Extasie! Faut que tu viennes toujours quand il faut pas, ma chacha. Bah oui! C'est moche. Est-ce que ça vous arrive des fois de faire des créations et de vous dire putain mais qu'est-ce que je fous? Parce que c'est actuellement ce qui se passe dans ma tête, hein. Si vous voulez tout savoir. Ah, c'est mieux là, non? J'essaye de me convaincre. Ouais, bon, attendez, on cale le canapé ici. Bah voilà. Extasie, pousse ton cul. Mais pousse-toi. Oh là, viens. Bah fais quelque chose. Elle est complètement prostrée devant mon bureau. Maman, je chat. Bon, bah du coup, de toute façon, ça fait 20 minutes, alors je sais pas combien de temps. Je vais juste mettre un lit. Mais Extasie, je vois pas les objets. T'as ton cul devant. Bah oui, mais t'es gentil, mais bon. Alors, je veux du temps supplémentaire. Par contrainte de chat. Bonjour, je suis Extasie. Oh, moi, je chat. J'ai une pénalité chat. Mais ça, elle a pas ça, des pénalités chat. Ah ouais, mais ça va pas du tout. Va falloir que je rebouche tout. Bon. Bah, je vais juste mettre une armoire, hein. Voilà, j'ai mis une armoire. Non, mais non. Pff, ou alors, je mets le canapé ici. Ah, peut-être avoir quelque chose, là. Et le lit, là. Moing. Tout c'est énorme, en plus. Il n'y a pas un lit rouge, là. En rouge et noir, je fais le trottoir. Non mais un vrai lit rouge, pas un lit blanc. C'est agaçant, hein. Bon, on va mettre celui-ci, mais il est pas beau. Enfin, il est beau, mais il est pas trop dans le style. Non, mais non, pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je ne veux pas. Ah! Ah, voilà, lui, il est bien. On va le fondre un peu dans le mur, comme ça. Alors, si Sim s'arrive à passer. Ça m'étonnerait beaucoup. Bon, au pire, vous démerderez, hein. Moi, je compte pas jouer dedans. Bon, voilà. C'est pas ouf, hein. Je suis pas spécialement fière de ce que j'ai fait. Et j'ai un petit complexe d'infériorité actuellement. Alors. Non, n'importe quoi. Bah écoutez, j'espère quand même que l'épisode vous aura plu, malgré ça.
Vous retrouverez la suite sur la chaîne de Missa, si tout va bien, ou alors en live, je ne sais pas si on arrive à se caler. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie des cœurs et des paillettes, et salut!